De Homborgwijk ligt tussen de Gazellenlaan, de Lindenlaan en dan het befaamde Gelaarse Katsplein. Hè. Toch een mooi staaltje van prachtige architectuur. En het is in 1928 dat het idee is gegroeid om hier een kleine tuinwijk te realiseren. Het was de toenmalige landmaatschappij die het idee had om eigenlijk de mensen uit Ukkel een betere huisvesting te geven. L'architecture de la cité du Homborg est une architecture très simple, rudimentaire. Elle est composée de maisons unifamiliales sur deux niveaux, avec une construction en briques, des toitures en pente, en tuiles. De woningen uit de Homborgwijk dateren vanuit de jaren 20 en 30 en beschikten eigenlijk niet meer over de hedendaagse comfortnormen. Het is in dat kader dat de BGHM samen met de Ukkelse Maatschappij voor Woningen beslist heeft om een heel investeringsprogramma aan de Homborgwijk toe te voegen. Le foyer Huclos a lancé deux concours. Un concours pour la rénovation de maisons individuelles que possède le foyer Huclos et un concours pour la rénovation des enveloppes de trois bâtiments de logements collectifs. Le bureau Carbone gagne le concours pour les logements individuels et nous gagnons le concours pour la rénovation des enveloppes des bâtiments collectifs. Le site était particulier parce que tout autour du terrain sur lequel est posé ces trois logements, ces trois immeubles. Le terrain est vierge, c'est-à-dire que c'est une grande pelouse en pente et tout autour se trouvent des maisons individuelles. Et donc nous n'avons pas fait un mimétisme avec les maisons, mais nous avons voulu vraiment créer une image assez forte de ces trois logements, de ces trois immeubles. Donc il y a une partie qui est claire et une autre partie qui est plus foncée, donc c'est black and white si on peut dire, et on les a pris comme trois objets qui sont posés sur une grande pelouse en pente. Et ça a guidé un peu toute notre réflexion pour donner un sens, si on veut, à ces bâtiments quelconques en termes d'écriture. La demande de la SLRB qui nous a été faite était assez claire. Il s'agissait d'améliorer le confort des espaces de vie, le confort thermique des habitants et d'améliorer la cohérence architecturale de l'ensemble. Le premier travail était de comprendre ce qui avait été fait, les différentes interventions qui ont eu lieu au fil du temps, et d'intervenir de la façon la plus cohérente possible et d'agir de façon à ce que le travail qui soit fait puisse être remis en œuvre ou puisse être continué par d'autres architectes. La commande portait sur 12 maisons, sur un ensemble qui constitue une centaine de maisons dans l'ensemble. Ça nous était assez complexe d'envisager le développement futur de la cité dans un ensemble cohérent parce que cette cité elle a été construite d'un bloc. Par un architecte. Et au fil des années, il y a eu des interventions de rénovation, de restauration et d'extension. L'intervention s'est jouée autour de deux axes. Le premier axe est la rénovation et la mise en valeur des maisons telles qu'elles existaient, donc la mise en valeur de la polychromie, la mise en valeur des détails architectoniques. Et à ça vient s'ajouter un travail d'extension qui se veut plus contemporain, donc c'est des extensions en ossature bois. La bichromie, ou la polychromie plutôt, des maisons originelles était travaillée avec des soubassements marqués en briques de terre cuite, un enduit, des châssis de couleur, des rives et des corniches en béton qui étaient aussi traitées de la même couleur que les châssis. Donc notre travail a été pas spécifiquement de remettre en œuvre les couleurs originelles, mais en tout cas de retrouver une polychromie qui pouvait être généralisée au niveau de la cité. Et ça permet de marquer la typicité de la cité et le côté petit village qu'on peut retrouver dans la cité du Homborg.